Lorsque je suis arrivé dans ce pays, tout le monde, même ma famille, pensait que j'étais une fille. Ma belle-mère était stricte et croyante. Elle me traitait différemment de mes frères, et ça me faisait de la peine. À l'adolescence, j'ai réalisé que je n'étais pas attiré par les garçons. Je voulais être un garçon. Quand ma famille s'en est rendue compte, elle m'a mise à la porte. J'ai dû tout quitter, du jour au lendemain. J'ai fini sans abri, dans une grande ville, essayant de comprendre qui j'étais. À cause de ce traumatisme, j'ai fait 2 tentatives de suicide. Et puis j'ai trouvé des personnes qui m'ont soutenu, et un homme qui est devenu mon père. Leur amour et leur compréhension m'ont aidé à réaliser que je pouvais être moi-même. Je me sens enfin bien dans ma peau. Aujourd'hui, je me sens libre.